Mesdames, Messieurs, bonsoir depuis Studio 4 La Voix de la Bécane à Washington. Moi, c'est Jacqueline Bélizère. Nous comptons une fois encore pour nous pour nous actualité à quelques grands points qui ont dominé l'actualité. En Haïti, 24 heures après déploiement, il y a un premier contingent policier Kenya dans le cadre de mission multinationale pour appui sécurité. Le pays a attendu un deuxième groupe policier qui a sorti dans Nairobi, capitale pays Kenya. Dans le pays Kenya même, manifestants ont continué à fouler béton pour demander démission président William Ruto, malgré décision gouvernement prend pour le faire back sous projet finance qui a provoqué mouvement levé campista. Dans Bolivie, arrestation générale en chef Flamea, Juan José Zuniga, après une tentative coup d'état contre président Luis Arce. États-Unis élection, premier gros débat à Soya avant élection novembre entre président démocrate Joe Biden et ancien président républicain Donald Trump. Et actualité ap mené nous dans le pays d'Haïti, côté 24 heures après un premier contingent et officier pays Kenya débarqué dans le pays d'Haïti. Et ben, et jeudi encore, et ben, gen moun captain, ou bien pays captain, yon deuxième contingent, nous pral rejoindre Massa Dovilme, qui lui même te dans zone airport là, matin. Nous jeudi 27 juin 2024, l'été environ 11h du matin, les plusieurs journalistes ont braqué caméra yo sous piste aéroport Tout Saint-Louverti dans Port-au-Prince. Après nouvelle qui fait connaître un deuxième groupe policier Kenya qui t'a doué arriver dans pays dans cadre mission multinationale soutien à sécurité. Toutefois, nous sous place pour nous capables permettre de vivre deuxième atterrissage si là. Depuis Port-au-Prince, moi c'est Massa Dovilme pour VOA Créole. Merci Massado Vilme. Et pendant ce temps, on a cherché information avec plus précision sous éventualité pour ta gagner un deuxième déploiement ou bien un deuxième contingent et policier cap sorti dans Nairobi, capitale pays Kenya. Pendant ce temps, gagné un spécialiste dans le domaine sécurité, ancien colonel Himmler Rebu, qui dit l'apton, qui type de doctrine pouvoir en place la peut utiliser par rapport à mission internationale là, qui commence à arriver dans le cadre de lutte contre gang armée. Nous sommes sur place où Renan Toussaint depuis Port-au-Prince. Premier ministre Garry Conille dit gouvernement l'emprel reprend contrôle pays d'Haïti caille en caille zone par zone grâce à GFOR force sécurité nationale et appui mission multinationale soutien à sécurité en Haïti que pays Kenya a dirigé. Ancien colonel Himmler Rebu qui est un spécialiste dans le domaine sécurité gagne un commentaire sur question. Il dit caille Bakay, quartier par quartier, ville par ville. Donc là, nous guettons nos moments opérationnels. Donc, moi, je ne sais pas pourquoi le ministre n'a pas parlé. Cela veut dire ce que cela veut dire. Donc, on y a, nous-mêmes, nos populations, on a tant. Ancien colonel Himmler Rebu fait connaître, gouvernement à conseil présidentiel transition doit utiliser bon genre de doctrine par rapport à mode opératoire y a gagné pour faire dans zone défavorisée yo faut moun ki nan gouvernement penser à aspect ça très sérieusement dans question hein? Pour cap d'abord déterminer la doctrine la stratégie à mettre en place les techniciens pour faire ça et ensuite mode opératoire pour utiliser sur terrain ça c'est technicien d'exécution qui pour faire ça et y a gagné toute instruction ça yo c'est ça pour permettre qui j'ai mené enquête, qui j'ai fait filature, qui renseignement y a gagné, qui moyen y a gagné pour faire tout bagage ça. Et ensuite pour le résultat, mais ce qui est sûr, population lui-même dit qu'on a tout gros bandi yo. Yo pas cap venir tuer 15 20 monde que nous pas connaît et puis yo dit nous problème de sécurité à résoudre. Parce que bandi yo connu, si yo pas tombé, et c'est pas dans cinéma pour dit nous tomber, faut nous ouais yo parce que nous connaît yo. Si vous pas tombé vraiment, vous pas cap dit nous problème nan résoudre. Malgré tout, colonel Rebu dit communauté internationale là doit connaître ces bandits à costume yo qui tout problème là. Bandits intermédiaires yo c'est demi patron yo. C'est eux même nous connait dans vidéo cap danser avec quantité l'argent yo gagne, quantité piscine là avec club privé yo gagne, c'est bandits intermédiaires pas gros bandits là. Il y a l'autre bandit que nous connait chita dans salon avec eux qu'on a fait interview avec eux. Des bandits, des gros papes, mettre bandits, c'est eux-mêmes qui mettent business, là. Si nous pas neutraliser intermédiaires, les finis pour la justice, mettre code
dans le cou, bien dans le bras, sa cravate, yo. C'est quoi, vous avez fait laver, messieurs, à terre. N'a pris une pause, il y a une sécurité rétablie, et puis le problème, n'a pas levé, puis devant. Donc, on y a là, c'est pour CPTA, avec le premier ministre, marré quand son garçon est dans le réo, bien marré, et puis on y a pour faire face à problème, là. N'a pas suivi. Ouais, non, tout ça. Pour VOA Creole, Port-au-Prince. Merci, Ronan Touchin. Toujours gagné réaction cap tombé après arrivée premier contingent et policier pays Kenya dans le cadre MMAS là. Eh ben, dans ville au Cap, par exemple, deuxième ville pays, il y a plusieurs militants politiques qui battent bravo pour arriver premier contingent, ça. Mais on dit, on souhaitait que mission ça pas même avec l'autre mission qui était venue déjà dans le pays d'Haïti. Gérard Maxino, c'est correspondant nous, dans le Cap Haïtien. 24 ans après, soldats pays Kenya arrivé dans le pays d'Haïti, puis fort militant politique qui veut à Creole te parler avec eux mercredi 26 juin 2024, bat bravo pour force internationale ça qui commençait prend forme ici en Haïti. Cependant, militant politique ça qui accepte répondre question la voix d'Amérique dit il espère que force ça différent de l'autre qui déjà passé dans le pays. Arrivé tout ça en Haïti aujourd'hui, son soulagement. Nous disons soulagement, ce n'est pas parce que nous retirons sens nationaliste, nous sens patriotique, mais c'est parce que le pays arrivé, nos niveaux, côté insécurité arrivé auprès des sommets, et la police, l'armée d'Haïti montrait vraiment qu'ils sont incapables pour résoudre le problème. Eh bien, force internationale, ça te promet, il vient accompagner les populations, il vient accompagner les forces de l'audio pour traquer les bandits. Et une fois arrivé, eh bien, nous dit, son soulagement pour le pays. Mais nous souhaitons que ce n'est pas la même bagaille qui était qu'on fait dans le temps, par exemple, en 1915 et 2004. Et ce n'est pas la même bagaille là. Nous prenons conscience de problèmes, non? Nous dit vraiment, c'est vraiment un dernier accompagnement n'a demandé communauté internationale là, son dernier accompagnement n'a pris en main yo et agit avec conscience pour que c'est vraiment un dernier accompagnement pays frais ça baille. Moi pour que nous gagnions force étrangère qui viennent aider la République d'Haïti dans la situation que nous trouvons là. Nous trouvons une situation qui dépasse nos côtés que force haïtienne n'a pas qu'à combattre avec gangstérisation à outrance que nous avons là. Il faut que nous gagnions Nations Unies qui viennent aider nous. De ce fait, Kenya, c'est lui qui a mené force là, il est arrivé avec 400 policiers là qui viennent déjà. Nous même disons bienvenue et nous attendons pour que vous démantelez les gangs à Sapatio et les gangs à Veste. Parce que nous ne pouvons pas seulement pour démanteler les gangs à Sapatio. Si c'est seulement les gangs à Sapatio, dans un an, deux ans encore, il y a retourné dans l'autre Tilapli, il y a retourné dans l'autre Iso, il y a retourné dans l'autre Barbecue. Il faut que vous non seulement déraciner les gangs à Sapatio, mais faire chercher les gangs à Veste, les gens qui prennent des examens, les gens qui ont des douanes là, les douanes qui sont dans la cour là, les gens qui prennent des examens, qui prennent des balles. C'est ça qu'on fait même comme commerce aujourd'hui. Ils ont quitté de côté la cocaïne et pour que vous vendent des armes dans le pays. Donc c'est ça qui fait au bien et ça fait la société à mal. Côté, nous avons quitté Kayo, nous avons quitté quartier. Donc nous n'avons pas qu'à vivre en paix et nous demandons à ce que la force là ratiboise tout le monde qui rentre dans la gangsterisation ratiboise. Pour moi, c'est une victoire. Quand même la société, c'est un bon travail. C'est pas mal comme ici. C'est pas mal traditionnel ou bien je vais faire. Parce que l'apparition est comme de celui-là. Nous ne sommes pas dans un bandit nous-mêmes. Bandit est décaillé, ce soit prison ou bien la mort. Selon militant politique Sayo, Haïti pas qu'à continuer à vivre dans la violence et l'instabilité. Gérard Maxino Cap-Haïtien pour la Voix d'Amérique. En plus, on a posé question sur qui premier point qui gagne dans l'agenda ou bien dans le programme premier contingent Kenya. Une question qui retenu attention collaborateur nous Valérie Saint-Louis depuis New York. Qui premier mission force police Kenya yo en Haïti? Premier contingent police qui gagne sipo Nations Unies est arrivé en Haïti mardi 25 juin, presque deux ans après que Haïti t'ait fait demande pour une force comme ça entrer dans le pays en urgence pour aider mettre l'ordre dans des ordres après que violence gang yo t'ait envahi majorité zone à quartier dans Port-au-Prince là. Un contingent de à peu près 400 policiers qui sortit dans le pays Kenya t'est atterri sous piste aéroport international Toussaint Louverture l'an mardi passé.
Mercredi 26 juin 2024 là, Premier ministre provisoire pays a Gary Conille t'a visité une base côté que force là t'est logé tête li. Moi-même, je crois que nous à la veille d'un nouveau départ. M'a demandé population haïtienne là pour être vigilant, pour être confiant. N'a travaillé avec partenaires nous. Engagement tout partenaire nous, nous avons plusieurs pays qui peuvent faire partie de contingent qui peuvent supporter nous, nous avons plusieurs nations qui sont engagées à nos côtés pour nous reprendre le pays. Nous. Donc, nous n'avons pas avancé, la population a continué, continue patience, avec le reste vigilant, nous n'avons pas avancé. Mais il n'est pas fini trop clair qui est la première mission force là et qui est ce qu'il a gagné pour accomplir dans l'immédiat. Force police a pris le pour le faire face à gangyo qui très violent et qui contrôlait à peu près 80% capital là. Violence gangyo d'après rapport qui sorti forcé au moins 580 000 moun dans pays a courir sauver quitter caillou et abandonner quartier. N'a rappelé que ça fait 4e fois que une gros force militaire étranger fait intervention dans pays d'Haïti. Merci Valério. Et l'autre point qui retenu Val et attention Valério, c'est Rex Théâtre dans Port-au-Prince qui tournait qu'on y a un abri provisoire pour moun kap chercher côté priorité après que gang armé fait quitter Bolakayo. Valério. Ancien local Rex Théâtre là qui abandonné depuis longtemps dans Port-au-Prince tournait un refuge pour plusieurs moun qui étaient déplacés à cause violence gang yo dans capitale pays d'Haïti. Pour moun qui en dedans espace là tant coup Roman Ferré qui c'est un boss maçon. Lidi Kounia, avenir li dépend en pile de mission maintien la paix ça qui appuyé par Nations Unies qui dirigé par Force Police pays Kenya et qui t'est commencé rivé dans pays à semaine ça. Nous ta espéré normalement pour que nous ta régler un bagage parce que nous vraiment nous en difficulté. Kay nous boulé. Et c'est là nous gè 10 mois là. Nous vraiment difficulté. Premier ministre haïtien Gary Conille t'a visité base police Kenya dans Port-au-Prince mercredi 26 juin. Il t'a dit que li clair que ça c'est commencement un nouveau commencement pour pays a. Et puis il mandé population prend patience et puis rester vigilant. Moi-même, je crois que nous à la veille d'un nouveau départ. M'a demandé population haïtienne là pour être vigilant, pour être confiant. N'a travaillé avec partenaires nous. Nous avons engagement tout partenaire nous, nous avons plusieurs pays qui font partie de contingent qui viennent supporter nous. Nous avons plusieurs nations qui sont engagées à nos côtés pour nous reprendre le pays. Nous. Donc nous n'avons pas avancé. La population continue, continue patience. Les pays vigilants, nous n'avons pas avancé. Actuellement, la guerre en gang déplacé plus passé un demi-million de monde et presque 5 millions haïtiens dans le pays a fait face à une grosse insécurité alimentaire. Toujours en dedans local Rex Théâtre qui a abandonné depuis quelques temps, professeur Renzo Novanel te dit lui-même que livré que pays étranger qui a intervenu en Haïti, yo, que yon ta doué considérer misère moun qui perdit kayo. Même gens yon pensé pour yon rétablir l'ordre dans le pays. Parce que kayo nous boule, nous pas un côté pour nous dormir. Nous n'avons qu'un côté pour nous aller, nous obliger à fouiller la tête nous là. Ça fait 10 mois que depuis nous là, nous sommes en souffrance là, calamité là, même petit nous pas à l'école. En essayer dans le pays, à l'homme d'armée pour les étrangers, même gens qui ont fait penser que tu as mis l'ordre dans le pays, mais il faut que tu as fait penser pour nous-mêmes qui sommes en battant là. Parce que nous-mêmes, nous subissons. Nous t'aimer je une solution demain si je vais pour cagon à le mieux pour nous recommander ca sortir tête nous et de ça que là jodi là. N'a rappelé que pays Kenya t'est porté le volontaire pour diriger force là depuis mois juillet année passée. Cependant déploiement force là t'est retardé plusieurs fois par tribunal là dans pays Kenya avec toute violence gang qui t'a augmenté et vin plus grave dans pays d'Haïti. Premier contingent troupes force pays Kenya est arrivé dans le pays d'Haïti dans le même moment que gros déblosage manifestation t'est pété la caillou et ça t'a créé un doute sur capacité pays Kenya pour diriger mission sécurité. Il prévoit que force police Kenya a vienne en Haïti ensemble avec officiers police qui sorti dans environ 15 autres pays qui gagne la donne ça yo qui sorti dans zone l'Afrique à Caraïbes aussi bien que dans pays Canada, la France, Allemagne, Grande-Bretagne avec pays Espagne. Force sécurité yo pral former avec un total de 2500 policiers avec un budget annuel de 600 millions de dollars qui principalement financé par pays États-Unis. Pour VOA Creole, Valério Saint-Louis, New York. Et pendant ce temps, situation a été très compliquée. T'as coup Valério so di là dans pays Kenya et actualité a mené nous dans pays Kenya. Oui,
manifestants yo toujours dans la rue pays Kenya malgré que président William Ruto lui-même l'a abandonné projet loi finance là yon jour après manifestation qui depuis violence Saint-Ben dans pays Kenya après indépendance li dans l'année 1963 Gentil Augustin Junior Président capitale la Nairobi réagit ak doute après président kenyan William Ruto te abandonné projet loi finance lan hier mercredi 26 juin 2024 la. Côté li te fait demi-tour pour couper devant pression manifestant yo qui te attaqué parlement. Lè yo te lancé manifestation dans tout pays ya et yo menacé pour faire pi plus action semaine ça. Yon manifestant te di, he didn't have a choice. Président Ruto pas gen aucun choix. Li abandonné projet loi parce que li te konnen gen yon révolution ki t'ap vini nan pays sa. Décision sa apparaît comme yon gros victoire pour yon mouvement protestation jeune qui te la depuis yon semaine. Yesterday Ruto declined and rejected the président William Ruto rejeté et puis abandonné projet loi. Jodi a nous voulons lui démissionner. Nous voulons lui démissionner dans poste li parce que nous pas fait lui confiance. Et puis tout député qui te supporté projet loi finance ça, ta doué aller la caillou. Nous pas voulons député ça yo paraître en public. Yo doué disparaître dans Kenya. Nous pas voulons wè tête yo devant nous. Ruto doué démissionner et puis aller la caillou. Nous pas voulons. Jenn yo bouqué ak li et nous pas vlil li pas clair nan ki point manifestant yo ta d'accord ak décision Ruto te prend hier mercredi a pour abandonner projet loi finance lan yon jou après de blozay ki te touye au moins 23 moun après manifestant te prend parlement en otage c'est seulement yon excuse peut-être seulement pour acheter jeune messier yo et nous seulement espérer c'est tout bon li changer position li plusieurs centaines manifestants te rassemblé dans ville Mambosa dans pays Kenya ak nan ville qui soumis dans l'ouest là jeudi 27 juin 2024 là la police te mette gros barrage devant palais présidentiel là dans capitale là Nairobi malgré président William Ruto te fait demi-tour sous projet loi finance là. Nous seulement vini ici là pour nous faire entendre voix nous-mêmes comme génération Z, nous-mêmes comme moun Kenya, nous faisons sel. Donc, la police ta doué suspendre touyer nous. Pacifiquement, nous pas armés. Moun a mouri et nous a souffri en bas main gouvernement ça. Manifestant yo te posé pi gros défi depuis 2 ans pour présidence Ruto. Ça qui te commencé comme opposition sur internet contre augmentation taxes que gouvernement te proposé ya. Te vin tourner rapidement yon rassemblement en masse pour mander réforme politique, pillage ak démission président William Ruto. Gentil Augustin Junior, VOA Creole, Washington. Et oui, 2024 là, c'est année électorale ici aux États-Unis et premier débat élection présidentielle entre président démocrate Joe Biden et ancien président républicain Donald Trump. Et bien, l'a déroulé à soir dans Atlanta, Georgia. Et Jean-Robert Philippe a suivi de très près pour nous. Gros événement ça, il dit son gros duel gagnant pile média surtout en Europe qui dit son duel télévisé à haute tension qu'après le fait après-midi et gagnant pile décision qui prend pour débat ça Jean-Robert. Oui, tension élevée surtout parmi supporters de candidats et n'a dit que effectivement Jacques le président Joe Biden déjà arrivé dans Atlanta dans cadre débat ça que tout le monde a attendre et débat lié pourtant pour les deux candidats candidat qui marque plus points et bien il a plus chance pour l'avancer plus bien dans la campagne électorale là pour l'élection novembre 2024. Donald Trump et Joe Biden a présenté la parole jeudi 27 juin à Atlanta, Georgie, dans le premier débat élection présidentielle novembre 2024. Là. Chaque candidat pourra demander aux électeurs voter pour candidat adverse là, c'est capable d'une catastrophe. Inflation is raging, crime is out of control. Donald Trump, candidat parti républicain, a déclaré Joe Biden, candidat parti démocrate là, c'est un win pour le pays.
inflation a augmenté, crime dépassé limite, Europe en chaos, Moyen-Orient a explosé, Iran vient pire, la Chine a valé terrain. Président Tayyip ça a mené pays à dans direction une troisième guerre mondiale. All progress, all freedom, all opportunities at risk. En réponse, Biden déclaré qu'on est capable de faire pays à faire marche arrière. N'a risqué tout progrès, toute liberté, toute opportunité nous déjà fait. Trump a essayé de faire oublier moment sombre et troublant pays à te connaît pendant qu'il était sous pouvoir. Non pas bien oublié. Sondage montré course électorale serrée entre deux candidats, ça qui montrait importance débat d'après professeur Alan Schroeder, cap ancien journaliste dans Northwestern University. I think that puts sort of equal pressure on both of the candidates, both in terms of the opportunity the debate presents to them, but also the risk. Le débat mettait une pression légale sur deux candidats, l'un considéré opportunité avec risque représenté pour eux. Débat ça unique, à cause c'est pour la première fois qu'il mettait face à face un président en exercice avec un ancien président, d'après professeur Kathleen Hall Jamison, qui a pensé communication dans l'université. Pennsylvanie. So the public is more knowledgeable about both of these candidates. Public là qui plus connaissance sur les candidats comme individu, ta tempérament yo, habitude yo avec disposition yo. Mais année ça à cause l'âge de candidat yo, gain nécessité même si on connaît l'âge de candidat yo et il est plus facile pour dire année ça est-ce que l'âge de candidat yo prononcé assez et stable mentalement assez pour président États-Unis. Débat politique là gain pour elle avec message avec moment opportunité d'après analyste Brett O'Donnell. Got to drive a message consistently across the debate, but then you want to have a couple of moments in the debate. Message de consistant dans tout débat. Mais vous voulez gagner un moment pendant débat pour briller, pour capable attirer attention presse là, pour capable prendre avantage compétitif sous candidat adverse là. Débat 27 juin, c'est débat présidentiel qui fait pi bonheur dans l'histoire des États-Unis à cause ni Trump ni Biden poko désiré officiellement comme candidat parti respectif. Pap gen déclaration d'ouverture. Micro candidat qui pap parle a fermé jusqu'à ce que la prenne la parole. Jobert Philippe, VOA Creole, Washington. Docteur Kouja Robert Philippe dit nous, c'est la convention nous qu'on est officiellement qui monde qui prend le candidat pour parti républicain avec ça qui prend le candidat pour parti démocrate là. Nous parlons l'autre point qui a dominé actualité et nous parlons Amérique latine, surtout dans l'Amérique du Sud, dans Bolivie, arrestation générale en chef la mer Juan José Zuniga après une tentative coup d'état contre président Luis Arce. Sandra Lemaire, gain détail. Gouvernement bolivien te gen information comme quoi une tentative coup d'état t'a paré avant commandant militaire pire placé pays à troupes li yo t'es forcé entrer dans palais présidentiel la semaine ça. C'est ça un ministre gouvernement déclaré jeudi 27 juin. Vice-président MAS la Gerardo Garcia accusé gouvernement d'est-ce que c'est lui-même qui comploté coup d'état. Si esto no haya sido un autogolpe. En el momento que ha hecho las declaraciones Zúñiga, creo que ha sido el día lunes, ya el presidente debía cambiarlo de comandante y general de la Fuerza Armada. Tentative coup d'état raté mercredi a duré quelques temps et les déclenché condamnation vite et pressée leader tout partout dans le monde là. Leader Sayo soulevé qu'à sauter de ce que pays Amérique du Sud ça a toujours dans danger. Unité militaire a été mobilisée mercredi et puis prend direction place centrale La Paz là. Et puis après ça, essayer craser porte palais à coup blindé pour permettre soldats de courir entrer en dedans. Soldats ont fini par battre au retrait et la police te reprend contrôle place là. Président Luis Arce, pas de perdre de temps pour nommer un nouveau général. Jodi a, c'est la police qui t'a veillé palais en bas la ville La Paz, mais moun te kawe impact zak violence qui t'est déroulé pendant tentative coup d'état. Devant quartier général, leader coup d'état mercredi a toujours en bas corde. Partisans gouvernement yo te critiqué quoi et puis fait qu'on yo appuyé démocratie. Es increíble que en pleno siglo XXI pueda haber un intento de golpe. Il est incroyable que dans le 21e siècle, une tentative coup d'État a déroulé. Nous défendons le droit constitutionnel, là. Nous défendons le droit démocratique que tout Bolivien jouit. Nous faisons veiller qui durait toute nuit.
Luisa Torres vend journal dans la rue. Nous hemos asustado bastante, no porque es un hecho lamentable que il dit nous t'ai gros qu'à sauter parce que c'est un événement malheureux qui mettait la vie tout le monde en danger. Plus passer toute bagaille nous gagne qu'à sauter pour simple citoyen yo. Machin yo peur parce que n'a vivre de jour en jour donc ça préoccupe nous mais grâce à Dieu yo résout li et puis toute bagaille calme pour nous. Gracias a Dios se ha solucionado y estamos más tranquilos. Gen pile bolivien et puis interviewé qui accusé Arce d'est-ce qu'il fabriquait un gros drame pour augmenter popularité li qui baissait en pile. C'est même bagaille général Soniega te dit. Evaristo Mamani, c'est un avocat et professeur. De lejos ha sido un autogolpe planificado, premeditado. Li dit de loin ou ka wè c'est un bagaille bien planifié, un autogolpe d'état ou regrettable. On te wè quelques collègues employés l'état qui t'a bien dans yon. Eh bien, si c'était un coup d'état tant pour ça nous te prend en 2019, yo pas t'ap capable faire ça. Donc on quoi yo te connaît toute bagaille. Gen bolivien qui t'a soulevé même doute ça yo sur réseaux sociaux yo tout. Sandra Lemaire, VOA Créole, Washington. Merci Sandra Lemaire. Eh ben ça c'est une femme qui saute banou un reportage sous coup d'état manqué dans pays Bolivie. Nous connaît jeudi c'est rendez-vous avec Cause et Femme et nous sommes tendre Sandra Lemaire là qui et saute présenter nos reportages. C'est yon femme. Faut dire que dans service créole là nous-mêmes nous pas seulement travail devant computer, devant micro, des caméras, devant caméra à souterrain faire reportage, mais nous célébrer tout. Nous célébrer femme. Femme qui parmi nous surtout nous pas grand pile, nous gain Marie-Luce Pierre avec Sandra Lemaire. Et hier nous t'ai gain occasion fêter, célébrer Sandra Lemaire parce que 19 juin c'était anniversaire, il part là avec nous. Mais nous t'ai choisi hier pour nous passer un petit moment côté que nous fêter célébrer Sandra Lemaire. Nous pas célébrer seulement parce que en général nous tellement son famille nous est dans créole dans service créole là dans VOA créole là et mais fête yon c'est fête l'autre donc fête Sandra c'est fête pas nous et hier nous t'ai passé vraiment un moment de qualité ensemble côté que nous t'a exprimé tout l'amour que nous gain pour lui et nous connaît que lui même tout lui grand pile l'amour pour nous tout en a regardé ça vibrer. Nous connaissons depuis et haïtien a fêté papa gagne manger et te gagne bon manger et c'est monsieur yo dans service créole là et qui prépare toute belle bagaille ça yo que nous wea donc il faut dire que monsieur yo qu'on fête et qu'on prépare manger. Yo la fois encore nous prend plaisir dans notre toute service créole là pour nous dire Sandra Lemaire bonne fête. Il t'a fêté 19 juin et il fêté même date avec petit peu donc nous comprenons joie moi, joie particulière moi. Donc nous dit Sandra l'autre fois encore bonne fête et que nous remet en plus son plaisir tout pour nous travail avec Sandra Lemaire et que bien penser on pense spécialement Marie-Lise, je me connais Marie-Lise c'est chef cambise sans oublier notre grand ami Serge Rodriguez qui part avec nous. Mes amis, c'est là nous mettez fin dans le programme. Dans un plaisir, comme d'habitude, pour nous te servir. Eh bien, nous remercions Franklin, our good friend. Nous remercions, nous avons l'impression, Joe Gibbs, un Jobé, qui était avec nous tout. Et nous dit Abela, merci en pile. Moi, c'est Jacques Lemelizer. Passez une bonne fin de journée ou bien une bonne soirée. Eh bien, nous avons rendez-vous pour demain. Bonsoir. Intérieurement, c'est SPN. Et DG Ramon Omil. Comme directeur général de la police, non? Messieurs, vous commencez à frapper et vous déjà commencez à faire des résultats. Qui ça m'a dit? Et ce qui ça m'a basé?
Dans le jour qui était mercredi 26 juin, eh bien, nous apprenons que la police nationale d'Haïti, en bouillant la mer, n'est que mettait puis à terre en bas la ville. Et en pile, bandits vivent ensemble, n'est que pété gagé et n'est que pété courir. Parce que la police a clairement décidé pour que yo capable libérer espace en bas la ville. Pour yo libérer espace là pour que ensemble l'état qui trouve en bas la ville BRH Primati Parlement haïtien ministère intérieur la cour de cassation et cour des comptes tout son tout ça yo pour que moun capable continuer à fonctionner là-dedans comme ça doit à travailler là-dedans et permettre que en bas la ville marcher en bas la ville pour que yo capable fonctionner et pour que malheureuse capable à fonctionner là-dedans comme ça droit. Et ça fait que des gros opérations qui vivent mener journée qui était mercredi 26 juin 2024 là. Et PM Kony mandé avec DG Ramon Amil, mandé avec et état major la meilleure pour que yo permette que lui-même pour reprendre bureau que gain subi sa tenelle qui c'est la primature et dégager yo pour mettre Jean-Jacques pour bail sécurité. Et ça fait officier kenyan yo monsieur déjà dans basio et yo commencé à faire bon entraînement dans basio côté que et mais yo annoncé là dans quelques heures qu'a privé là yo pral commencer présent dans la rien et pral commencer présent avec la police nationale d'Haïti. Est-ce que ça ne t'attend? Est-ce que ça ne t'a besoin? Si mon so sécurité, si mon so la paix en notre pays, est-ce que nous sommes pour capable de joindre? Est-ce que commencer à avoir l'espoir pour nous joindre mon so sécurité, mon so la paix en notre pays? PM Kony, monsieur sémanté que l'État haïtien a repris contrôle pays. PM Gary Kony, sémanté. L'État haïtien a repris contrôle pays de caille en caille, ville en ville et quartier en quartier. PM Kony dit cette histoire territoire perdu, mais pendant gouvernance, il n'y a pas de bagarre comme ça. L'État a récupéré tout territoire te perdu. Tout territoire que Ariel Henry a livré avec l'équipe Lyon, et bien PM Kony dit il a récupéré territoire ça. Il peut permettre que plus que 600 000 familles que jodi a bandi poussé de yo pour capable retourner la caillou dans Kafoufeuille, dans Matissan, dans Fontamara, dans Peignier, dans Torsel, dans Croix des Bouquets, dans Tomazo, dans Badelma. Et bien, ensemble de côté ça yo que moun yo pral retourner la caillou pour me citer PM Gary Kony. Jodi an, diaspora besoin entre la kaili. Jodi an, gen le moun nan diaspora ki pè di maman yo, ki pè di papa yo, ki pè di un se ou frè teche a ou même, ki pè di petit yo, malheureusement, yo pa ka rentre Haïti pou al assiste san kapabrele enterrement yo. Donc jodi an, PM Kony, de Jeramo, conseiller présidentiel yo, yo di ke sa fini. J'appelle M'nan Dilan à la douce à ta douce. S'il pas gen bouquet, le wap pourri. Désir, soit gen Nadjakoto, mon frère. Blaise Pierson, gen dirigeant au CNH qui présentait pays d'Haïti comme un carrefour important côté et trafic en drogue utilisé espace là pour vendre drogue en dedans pays et ça a tout li vini directement dans ça qui lié avec insécurité généralisée qui gen en dedans pays en pile dans nèg yo y a goumen c'est pour cap kembe statu quo dans traverser drogue dans pays d'Haïti qui fait partie ensemble pays Caraïbes en situation qui paraît très difficile et gen divers dans bandio à travers pays qui pas entendre pour baisser les bras quoi. Sans m'y entendre, je capte on voit à travers les réseaux à côté, Jeff Gaulois, dans le canal, en fait quoi, il vraiment regrette parce qu'il voit son équipe noire, même Jean-Avel qui pourrait venir affronter, et lui-même, lui paraît pour la bataille face avec M. Sayo, lui paraît pour baisser les bras. Il y a des situations qui appellent le monde, après cette question, dans une petite vidéo qui appellent le monde, ouais, qui viral sur Internet là, côté barbecue, mettez genoux la tête pour la demander, ensemble, qui dans différentes autres zones qui fait partie vivre ensemble, pour yo faire la paix, pour déposer les armes, après, sans doute, c'est après le fin de discours premier ministre, Dr. Gary Kony, qui était dit automatiquement, c'est déposer les armes, et après ça, il y a qu'on est, qui j'en responsable, mais après, l'autre discours que PM Gary Kony gagne, dans le moment qu'elle a visité
côté espace, côté premier contingent et monsieur Dame Kenya y est là, lui déclarer que y a récupéré PIA dans l'ensemble, caille en caille, quartier en quartier, zone en zone qui pourra permettre que les populations évacuent avec activité des situations qui paraissent extrêmement difficiles. Là où gagne pratiquement un pays qui a plongé comme ça et où vini comme autorité, ou besoin d'assumer les responsabilités. Plusieurs policiers arrêtés dans Pétionville et dans la date qui était mardi 25 juin 2024, parmi eux, gagne Nick Mick qui pratiquement ces mouns qui ont fait quoi qui gagne pour avec question et Kafou, hein, qui gagne une influence sérieux qui rend que gang de prend contrôle Kafou et puis gagne plusieurs autres policiers encore qui en bas quoi d'autre pour Métélis Jean-Élie qui c'est 33e promotion, gagne Gassonet Frédéric qui c'est 31e promotion, gagne César Raphaël Jean 28e promotion, gagne Pierre Grégory 32e promotion, gagne Jean Sanel Alexis Mick Mick, monsieur c'est 28e tout, c'est lui-même qui pratiquement rivé point code parce que vous faites quoi que monsieur ça impliqué dans ça qui gagne pour avec question informateur ou bien travail avec gang en dedans pays d'Haïti pendant yon institution policière. La situation de cette situation qui va être extrêmement difficile, moun a posé cette question, comment pays a fait sortir dans sa lien les autorités, les la police entendre yon font seul avec gang qui a terrorisé pays qui même livré Freda Mio dans ensemble activité qui a fait, parce que les policiers ont mené intervention, les a fait opération. En pile fois, les victimes, c'est policiers pareils qui dans l'institution qui baillent bandits contrôle. Ensemble, question ça, on a continué à poser. Ensemble, question ça, on a continué à analyser qui va permettre au moins, est-ce que nous avons besoin de lumière pour nous sortir dans une situation difficile que pays a trouvé le jour et jeudi pour cette situation grave en pile, les personnes, les amis, internautes. Côté, messieurs, dames, Kenya, pareil pour y aller dans le combat. C'est l'ordre, c'est Vétania Béton, autorité, dans la force police, dans le pays d'Haïti, qui accompagne eux, grand terrain avec eux, pour y aller affronter, bandit eux, l'explication. Désiré Semdouke, secrétariat général de la présidence, conseil présidentiel, non? Mais qui sommet ancien contractuel et agent fonction publique par les nationaux, puis au capable de rendre tout équipement et bien institution par les nationaux, et qui n'en met mais restitution et ensemble de matériel ça yo yo ta dwe commencer faire depuis avant 1er juillet et passer de date ça et mais responsable dans la présidence a prendre de décision et tout monde qui t'a campé en rebelle qui t'a empêché que peut pas apporter matériel l'état qui n'en met yo et dans ce sens ça des Ivenes en plein monde croit que ça qui là comme situation dans l'état mais faut que yo river récupérer bien l'état yo bataille contre corruption bataille contre insécurité et bataille sous toute forme de situation qui a développé dans l'État, en notre pays, il faut que de engagement, faut que de disposition sérieuse qui prend pour y aller battre et permettre que la paix capable d'établir dans notre pays. Est-ce que je dis, nous allons être bois croisés pour que nous ne fassions rien, pour que nous ne disions rien, pour que nous quittions le pays, à effondrer dans la situation ça, dans le niveau ça, dans la façon ça, je dis, moi, pas quoi que nous allons accepter et nous allons mais situation ça lui-même li rivé dans niveau ça et je dis PM Gary Conny mettez avec un conseil présidentiel yo déterminé et yo dit tête que y a bataille y a goumen contre question insécurité contre question et violence et contre question corruption dans l'état que n'gal gali ça et n'a dit que en pile monde trouvé la caille PM Gary Conny dans langage li et au senti que Ligue Sandrelé une autorité que l'a dégagé. Parce que, écoutez, mon a dit, il y a tant que Gary Conny fait de paroles sa yo commencer à passer en action. Il y a tant que Gary Conny fait de paroles sa yo commencer à matérialiser, commencer à arriver dans la phase exécution. Yo. Parce que je dis, hein, mon yo croit et mon yo dit que situation que pays a connaît là, que pays a vivre là, mais il n'est pas normal et il faut que le problème yo capable d'arriver à résoudre des événements. Nous allons venir avec PM Gary Conny, dans ça que il t'a dit, dans le journée qui t'a mercredi 26 juin 2024, là, côté que, il clairement dit que l'État pral prend contrôle paysan de caille en caille, ville en ville, ok, et permet que yo rive résoudre sa gueule là comme problème. L'État pral prend contrôle paysan de caille en caille, ok, de caille en caille, ville en ville, quartier en quartier, pour permettre que la vie capable de reprendre. M'gabon, mais on entend des PM Conny,
et moi avec Desi Venès, n'a retourné temps en temps fait petit commentaire, garder et bien comprendre plus bien ça que PM nan dit là et est-ce que nous-mêmes nous bail est-ce que nous et nous gagne garantie ou dis-moi est-ce que nous placer confiance nous ou dis-moi est-ce que nous attendre que ça PM qu'on dit hein, pour vraiment les commencer exécuter les commencer mettre en application ça que le dit là yo est-ce que nous dit que PM qu'on et je dis là on commencer agir on commencer bay résultat on commencer boter réponse parce que je dis hein, mon yo dit c'est réponse à attendre et c'est action à attendre dans mes PM gars nous constatons nous-mêmes que Afrique de l'Est Kenya attendait souffrance peuple haïtien et vient en solidarité avec la police noire. Donc, nous devons là aujourd'hui pour nous constater, messieurs, là, c'est le premier contingent. Nous paraissons solide pour accompagner et supporter la stratégie haïtienne pour nous reprendre sécurité, nous, caille par caille, quartier par quartier, ville par ville. Oui, monsieur, là, il a déterminé. Je remercie encore le Kenya, président Kenya qui prend engagement personnellement pour supporter nous, peuple Kenyan qui campait derrière nous, qui campait avec nous. Son bail remarquable, évidemment, tout. Et docteur Jomali, même qui fait voyage là, saute juste l'autre bois, plus de 12 000. Et on voyage excessivement long pour venir là avec nous, pour le constater. Donc, moi-même, nous croyons que nous, à la veille d'un nouveau départ, maintenant des populations haïtiennes pour être vigilants, pour être confiants, nous travaillons avec partenaires New York, nous avons engagement tous les partenaires New York, nous avons plusieurs pays qui peuvent faire partie de contingents qui peuvent supporter New York, nous avons plusieurs nations qui sont engagées à nos côtés pour nous reprendre le pays. Nous. Donc, nous n'avons pas avancé, les populations ont continué, continuent patience, nous voulons que le être vigilant, nous n'avons pas avancé. Donc, c'est ça, madame, dis-nous, peut-être nous avons pour deux questions seulement. Ensuite, je vais la presse là, je vais prendre congé de nous, je vais continuer visite là sans nous, même de nous constater nous-mêmes que appareil en manche, on n'a pas avancé, on a reprendre le pays, nous, caille par caille, quartier par quartier, ville par ville. Soit fait chiffre là, je vais demander pour des questions de sécurité. Évidemment, je ne suis pas tellement intéressé pour me dire combien de monde pour des raisons de sécurité. Même qu'a dit nous que le très significatif, même qu'a dit nous que nous déjà prenons disposition pour nous, pour que régulièrement chiffre là, on monte jusqu'à ce que nous gagnions capacité pour nous gagner, pour nous supporter la police. En ce qui a trait à gens, nous-mêmes, la traité force de police, nous sommes déjà en discussion avec DG la police là, pour nous prendre toute disposition pour que les policiers nous gagnent tout ça au besoin pour être capable de faire opération. Nous avons gardé tout, nous mettre tout bagage sous table là pour nous, comment nous assurer nous que les policiers nous gagnent capacité, environnement, support et appui au besoin pour être capable de faire travail. La forme d'opération pas de suspend. La police nationale a travaillé 24 heures sur 24. Et pas plus tard que hier, je suppose qu'on a un cours que nous travaillons. Donc, nous devons nous comprendre ça. Nous devons prioriser l'autre site. C'est comme ça que nous n'avons pas arrêté nous kembe bandits sur la défensive. Nous pas de suspend le travail. Et vous voulez reconnaître l'effort du monsieur police nous, qui a perdu la vie parce qu'il a essayé de protéger et défendre le peuple haïtien. Ça peut arriver qu'on y a, c'est vrai. Nous avons des policiers plus capacité ou de là où nous avons 455 et nouveaux policiers qui pourraient jouer une force spécialisée, on a continué à préparer tête nous. Et je veux dire, avec appui ça, pour une série d'appui ça, et appui pour le nous avons encore mieux équipé pour nous reprendre le pays, nous, caille par caille, quartier par quartier, ville par ville. Afrique de l'Est, Kenya attendait souffrance peuple haïtien et on vit en solidarité avec la police noire. Donc, nous devons là aujourd'hui pour nous constater, messieurs, là, c'est le premier contingent. Nous paraissons solides pour accompagner et supporter la stratégie haïtienne pour nous reprendre sécurité, nous, caille par caille, quartier par quartier, ville par ville. Oui, monsieur, là, il a déterminé. Je remercie encore le Kenya, président Kenyan qui prend engagement personnellement pour supporter nous, peuple Kenyan qui campait derrière nous, qui campait avec nous. Son bail remarquable, évidemment, tout. Et docteur Jomali, même qui fait voyage là. Saute juste l'autre bois, plus de 12 000. Et on voyage excessivement long pour venir là avec nous, pour le constater. Donc, moi-même, je crois que nous, à la veille d'un nouveau départ, maintenant des populations haïtiennes, pour être vigilants, pour être confiants, nous travaillons avec partenaires New York, nous avons engagement tous les partenaires New York, nous avons plusieurs pays qui peuvent faire partie de contingents qui peuvent supporter New York. Nous avons plusieurs nations qui sont engagées à nos côtés pour nous reprendre le pays. Donc, nous n'avons pas avancé. Les populations ont continué, continuent patience.
dès que le red vigilant n'a pas avancé. Donc c'est ça, m'a dit nous, peut-être nous avons pour deux questions seulement. Ensuite, m'a demandé la presse là, m'a pris congé de nous, m'a continué visite là sans nous, même devait nous constater nous-mêmes que appareil en manche n'a pas avancé, n'a pas repris le pays nous. Caille par caille, quartier par quartier, ville par ville. Soit fait chiffre là, m'a demandé nous pour des questions de sécurité évidentes, pas tellement intéressé pour me dire combien bon moyen. Pour des raisons de sécurité. Même qu'a dit nous que le très significatif, même qu'a dit nous que nous déjà prenons disposition pour nous, pour que régulièrement chiffre là, on monte jusqu'à ce que nous gagnions capacité pour nous gagner, pour nous supporter la police. En ce qui a trait à Jean, nous même n'a traité force de police, nous déjà en discussion avec DG la police là, pour nous prendre toute disposition pour que les policiers nous gagnent tout ça au besoin pour être capable de faire opération. N'a gardé tout, n'a remettre toute bagaille sous table là pour nous, comment nous assurer nous que les policiers nous gagnent capacité, environnement, support et appui au besoin pour être capable de faire travail. Forme d'opération. Non, pas de jambes suspendues. La police nationale travaille 24 heures sur 24. Et pas plus tard que hier, je suppose qu'on a un corps que nous travaillons. Donc, nous devons nous comprendre ça. Nous devons prioriser l'autre site. C'est comme ça que nous n'avons pas arrêté, nous, Kembe, bandits sur la défensive. Nous pas de jambes suspendues travail. Et nous voulons reconnaître l'effort du monsieur police, nous, qui a perdu la vie, parce qu'il a essayé de protéger et défendre le peuple haïtien. Ça peut arriver qu'on y a, c'est vrai, nous avons des policiers plus capacité, ou de là où nous avons 455 et nouveaux policiers qui pourraient jouer une force spécialisée, on a continué à préparer tête nous. Et je vous dis, avec appui ça, pour une série d'appui ça, et appui pour le pays, nous avons encore mieux équipé pour nous reprendre le pays. Nous. Désir, vous êtes des PM, non? Et je pense que un peu des PM, non? Même j'ai avec nous. Et sans reprendre de sa PM, non, Dia, j'en ai déjà dit, PM Gariponi, qui clairement a montré que c'est lycée autorité, mais qu'on y a, mon yo a dit que PM Koni fait de parole aux actes, ça veut dire fait parole à passer en action, ou est-ce que effectivement, que l'État haïtien reprend contrôle pays. Et j'en le dis, hein, caille en caille, quartier en quartier, et ville en ville. Parce que je dis à m'a dit et m'a répété, nous avons ensemble territoire perdu. C'est pas moi qui dis, moi qui répété. Ancien ministre justice et sécurité publique pays d'Haïti sous Ariel Henry, n'a parlé de Emily Prophète Milsé et qui était campé son station de radio dans la capitale haïtienne. Non, elle t'a dit, il y a des zones que ne peut pas passer comme ministre, elle considère les zones ça, que l'État abandonne les zones ça. Est-ce que je dis, hein? C'est une réponse diplomatique et c'est une réponse autorité, c'est une réponse chef que Gariponi bail avec ancien équipe Ariel qui était là. Ça veut dire, les dit que Ariel reprend contrôle pays, hein, que Ariel fait 32 mois, que pas de jambes, pas de jambes vraiment, que une action qui est posée concrètement, qui t'est montré que, et volonté que t'es gagné, la caille Ariel Henry avec équipe Liam, pour que, y'a t'es voulu résoudre sa guerre comme insécurité.